Merci parce que vous choisissez de regarder vidéo ça. Si vous pouvez vous inscrire non ou bien pouvez vous abonner dans la chaîne YouTube Télé Louange là, faites ça qu'on y a même. C'est une façon pour qu'on toujours été connecté et pas jamais rater aucun conseil réveil avec service l'église en direct sur chaîne Télé Louange là. Opération changement. Opération changement, une émission analyse, débat, interview, commentaire pour aider à comprendre problème pays d'Haïti. Opération changement a fouillé zone à Kalalou pour chercher qu'on ait cause problème pays. Comme ça ensemble, n'a joint une solution durable pour problème ça. Opération changement, c'est engagement nous tous pour une autre Haïti. Opération changement, un segment télévisé préparé et présenté par pasteur Rousli Périclès, politologue, expert en résolution de conflits, écrivain. Nous dit bonjour, bonsoir à tous nos amis de partout, à tous nos amis téléspectateurs de partout. Ces amis, ou frère, ou pasteur Wisley Piclès, qui est entré dans la caillou dans le cadre d'opération changement. Moi, ça, c'est un gros mois pour nous, mois octobre, et je dis à 1er octobre, et excusez nos belles dates là. Et son émission attendait plusieurs fois, qu'après passer plusieurs fois encore. Et nous croyons que le mois d'octobre, ça, c'est un mois extraordinaire, 17 octobre. Et c'est moi, nous dit, c'est moi côté tout pour commémorer la mort de papa pays à papa nation, c'est Jean-Jacques Dessalines, qui était mort le 17 octobre 1806. Il était assassiné. Et lâchement, il était assassiné le 17 octobre 1806. Et c'est. La que nous avons parlé dans la période ça, nous dit de 17 octobre 2018 pour le faire 212 ans l'année depuis Papa Nation a perdu la ville du fait qu'il a voulu changement pour un pays. L'Itéouer nous dit un pays pour tout Haïtien capable de vivre. Et Jean-Jacques Dessalines et dans le cadre et disons la raison que c'est fait la mort Jean-Jacques Dessalines. C'est parce que Jean-Jacques Dessalines lui-même, pas oublié en tant qu'un esclave. Et il était ouais pour tout esclave, pour tout ancien esclave, pour tout nègre qui se trouve en Afrique, pour être capable de gagner une terre pour vivre librement, libre comme tout le monde. Mais malheureusement, tu as gagné un groupe, on nous dit mulat dans l'époque ça, qui t'a gagné eux-mêmes, qui pas esclave parce que papa aussi était français, mais eux-mêmes tout, eux-mêmes. Il n'y a pas de conseil de droit dans la colonie. Il y en a pas pour nous comprendre. Parce qu'on nous dit, et mulat là lui-même, pas de droit de politique dans la colonie. Même les papas, c'était français. Il était un droit d'aller étudier en France, c'est vrai, mais pas de droit politique. Pour nous dire, la colonie, c'est dominant à l'époque. Il était trois types de monde dans trois classes. Il y a les planteurs blancs. Il y a, on nous dit, les affranchis, qui sont mulatio, les affranchis et les esclaves. Affranchis eux-mêmes, t'es gain quelque affranchis ça eux-mêmes, yo en tant que mulat, yo t'es gain tout droit dans colonie, mais yo pas de droit politique. Yo pas de droit politique. Et c'est une raison eux-mêmes qui fait pour t'es gain droit politique yo, qui fait en nous dit yo t'es met ensemble, yo t'es accepté pour yo t'es bataille bon côté esclavio, ancien esclavio pour t'es prendre indépendance yo. Ils a quoi bataille en bataille de Vertières et 18 novembre 1803, eh bien c'est raison ça. Que fait, yo te met ensemble avec, on nous dit, Dessalines, et yo te wato, yo t'a perdu, femme tout ça. Yo te wato, que noyo, pas tant jouette, yo pas tant rien dedans, par conséquent, yo te obligé de mettre ensemble avec tout, même là, ou même yo te besoin de droit politique. Yo. Mais après indépendance, après, de fin bataille pour indépendance, après, on nous dit 1er janvier 1804, eh bien, même, on nous dit, ancien général, ça yo, mulatio, ancien de Gouneg, il n'a pas accepté, par exemple, pour le peuple là, pour qui n'a pas rien du tout, qui sont en Afrique, il n'a pas accepté pour être jeune terre, pour être bâillé terre, pour être travail. Il n'a pas accepté ça. Tout monsieur Milatio, il était voulu, par exemple, terre, il a dit que c'était tes papas, il a quitté, c'était eux-mêmes. Dessalines lui-même, il demandé, et pour nous, pauvres, nous, pareil, qui sont en Afrique là, qui ça a gagné, mais il n'a pas gagné. Eh bien, c'est pareil ça qui est cause. Et là, pendant à cause de ça, il y a une bataille pour intérêt tout le monde, pour tout le monde de gagner une façon pour vivre normal, à attaquer le monde, et ça fait, c'est une bataille qui cause la mort de Dessalines. Et vraiment, Dessalines, pas une bataille seulement, pour Haïtiens,
pour esclaves, pour africains qui sont en Afrique comme esclaves, qui viennent sous terre ça en Haïti, mais ta bataille tout, on nous dit pour le nouveau monde, quel que soit noir, quel soit noir, quel soit côté soit il y a de pour entrer en Haïti ou libre. Et Jamaïque, par longtemps de cela, il y a un article qui est écrit sur ça pour honorer Haïti, honorer parler de Dessalines, du fait que et Mouret Mavina Journal Sahara, et qui parlait de effort en pile jamaïcain qui était dans l'esclavage, et qui quittait Haïti, et calé en Haïti, qui quittait Jamaïque, disons qu'à Haïti, d'arriver au libre normalement. Et en pile jamaïcain tout, il y a des batailles qui entrent en Haïti, qui mettent ensemble avec, on nous dit, un esclave qui était en Haïti, yo, qui bataille, qui est abandonné du 104. Par exemple, il dit nos Bookman, c'était une qui était dans Jamaïque, lui-même. Qu'on connaît, c'était lui-même qui était commencé un gros travail, une grosse évolution, un gros travail pour soulever le peuple là. Eh bien, beaucoup moins de fait, nous connaît que c'est Jamaïque qui était sorti lui-même. Eh bien, Jamaïque, aujourd'hui, a honoré et travaille ça, reconnaître et travaille, on nous dit Haïti fait. Parce que Haïti tape bataille, on nous dit Dessalines, et on nous dit avec tout l'autre qui était bon côté lui. Yo tape bataille eux-mêmes, yo te ouais, pour nous gon pays, qu'elle soit noire, depuis l'entrée en Haïti, libre. C'est pour liberté, nous pas ta bataille pour un faux pour droit de l'homme, pour un faux droit de l'homme, et on nous dit la France en pile l'autre pays t'a prôné et nous du faux droit de l'homme. Pendant t'a parlé de droit de l'homme, mais pas jamais considérer l'homme là en tant que libre vraiment. OK, on te dit sur papier, mais nous même en Haïti Dessalines, c'est que t'a prôné un vrai droit de l'homme, c'est lui même on nous dit qu'elle soit côté monde en sorti, qu'elle soit côté noir sorti depuis dans l'esclavage, depuis notre pied en Haïti. Libre. Et ça fait je dis à l'itrice, nous dit en Haïtien en Haïti, dirigeant en Haïti, qui prend, nous dit, depuis Haïtien, dans la diaspora, il est entré en Haïti, il n'est pas Haïtien encore. Tandis que papa nation en lui-même, même là, lui-même, il n'est pas affaire avec étrangers, il n'est pas voulu pour terre, pour étrangers occuper, terre d'Haïti, ok? Mais il est important. Il te dit lui-même, depuis le monde, faut dehors, ou t'es dans le travail, ou mettre plus en Haïti, ou libre. Malheureusement, je dis à nos dirigeants, nos pile dirigeants pays d'Haïti, ils trahissent l'idéal de Salines. Ils trahissent le travail de Salines. Ils trahissent la bataille de Salines. D'accord, je dis à de Salines, côté lié à la garde d'Haïti, ils crient. Salines crient. La garde d'Haïti, je dis à côté lié à. Dans le lieu côté lié à, ils crient. Ils crient. Pour le Haïti, quelle bataille pour lui-même, non? Pour le qui sacrifie. Et faut nous dire, Dessalines a été assassiné lâchement, comme on connaît. Assassiné lâchement à cause de l'idéologie, à cause de tout le monde, à cause de un pays pour tout le monde, pour essayer de vivre normalement. Il a été assassiné pour ça. Et il y a un pile de monde, il y a un pile d'histoire qui dit, c'est, on ne va pas parler trop de histoire, ça. Il y a un pile de monde qui dit, c'est Pont Rouge, il a été assassiné Dessalines. Mais d'après un pile d'historien, d'après quelque chose, un pile d'historien dit, Dessalines n'est pas mort vraiment au Pont Rouge. Ils ont traîné, défilé, et ils sont considérés comme un monde qui était fou. Ils ont traîné encore, reste dit, dans la zone Pont Rouge. Mais au fait qu'on est que Dessalines, en pile de monde, en pile de soyens, parlaient, et ils vont excuser que je n'ai pas un document avec moi, pour me citer, ils vont excuser, en tant qu'intellectuel, chercheur, nous ne pouvons pas dire rien, ça nous pas approuver. Ils vont excuser nous pour ça, mais eux-mêmes, nous connaissons ça très bien, et que Dessalines, en pile de monde, ils parlé de ça, que Dessalines n'est pas mort pour lui vraiment. Il a assassiné, il y a quelques monde qui m'ont révélé, c'est qu'il y a Pétion qui a été assassiné Dessalines. Dans une réunion, dans une rencontre, il a fait, et bien il a assassiné là. Il y a un complot pour te faire, il a assassiné. Il y a un peu de la petite histoire qui parlait, que nous avons bien vu sous ça, côté, il y a une maîtresse qui était avertie, pour ne pas entrer dans Port-au-Prince, il a averti qu'il y a un complot pour lui-même. Il y a une maîtresse, d'après la petite histoire, dans une carrière, mais malheureusement, il n'y a pas attendu, et il maîtresse ça. Et en tant qu'haïtien, il faut nous dire aux gens, ça n'a pas fait nous, pas haïtiens pour ça. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, tout pour nous comprendre la réalité du pays, nous comprendre la réalité Haïti. Eh bien, malheureusement, il était entré vraiment dans le nom de la rencontre, dans la réunion que tu as faite là. Eh bien, il était assassiné dans la rencontre vraiment. Il était humilié. Et tandis qu'il y a une qui bataille pour la nation. Je dis, en pile pays, à travers le monde, reconnaître haïtien, à travers Dessalines, bataille Dessalines t'est menée. Et je dis à nous qui dit, nous avons nous dit, d'un parle de Dessalines, nous prenons Haïti en quelque sorte. Même la Pétion, c'est un milat, mais pas de c'est un Haïtien qui a bataille pour Haïti tout. Il n'y a pas de faire nous comprendre tout. Milat, au moment où c'était noir, c'est-à-dire, en pile, je dis, nous avons tout ouvert parenthèse là. En pile, milat qui t'a cru que n'est pas Haïtien, on nous dit, milat, tu es plus humilié que même noir, même là où tu as un droit,
Yo te gen droit en un certain droit dans colonie. Mais yo te humilié tout. Par exemple, là pour mon nouveau vieux de maman. Son gros bagage va considérer maman. Maman elle devine libre par rapport avec ça. Mais en plus maman ça en plus là de te humilier. Yo vieux le te une grosse humiliation. OK? Et ça fait par exemple gros mot, je dis en plus haïtien a dit que son deux formations liées. Là on dit par exemple en français on dit colon guette ta mère. Et vous connaissez moi quand qui m'ont vu en créole, il m'a besoin de répéter lui, vous connaissez déjà. Il dit pas une bêtise, non, mais dans la culture, nous, dans la mentalité, nous, dit une bêtise. Ok? Mais c'est une déformation, c'est colon, tu prends maman. Ok? Mais français a dit colon, guette ta mère. Ok? Par conséquent, il vient, il vient former l'homme au créole qu'on connaît, qu'il m'a besoin de répéter. Ok? Par conséquent, il nous dit, mulat la tout, t'es humilié en quelque sorte. Il t'es humilié. OK, il était humilié pour nous montrer que nous toutes nous sommes celles pétionnées même, elle était font travail à travers pétion pendant de au pouvoir. Et on apprend en Amérique latine là, on nous dit Simon Bolivar, c'est dit by Simon Bolivar munition. Haïti on nous dit c'est un pays extraordinaire, son pays qui ta bataille pour tous les pays libres dans sur planète là. Et c'est sa cause, je dis Haïti Jean-Dia, parce que nous n'avons pas de vrais Haïtiens. Nous n'avons pas de vrais Haïtiens qui comprennent la réalité du pays d'Haïti, qui comprennent l'idéal de sa lignée, qui bataille vraiment pour notre Haïti. Nous avons des traites, malgré l'hymne du sol, soyons seul maître. Ok? Mais nous pas seul maître vraiment. Ok? Nous plaît traite dans le pays, nous. Plaît traite. Les dirigeants traite. Ça fait nous cause des salines, nous tuer des salines encore. Et c'était le 17 octobre, quand on a fini le 17 octobre 2018, avec une vraie réflexion. Qui fête sous la mort de Dessalines, sous la mort père de la patrie, une petite baissante à 48 ans d'âge, qui était mourue pour être libérée, pas seulement une nation, mais l'homme en général, si ça nous parle de vrais droits de l'homme, qui c'est nous-mêmes haïtiens, nos grands-parents. C'est nous-mêmes qui prônons ça nous les droits de l'homme. Pas la France, pas les États-Unis, mais c'est nous-mêmes, les Haïtiens, à travers des Salines. Et à travers des anciens, pétions, nous prônons les droits de l'homme. Et nous montrer, nous aider plusieurs pays, à travers le monde, à travers la planète. C'est de comprendre ça, chers amis. 17 octobre 2018, les Haïtiens de partout, on doit se dire qu'on a notre pays, vraiment. Et il y a un pile d'équipe qui planifie, par contre, ça, oui, moi-même, par contre, nous avons souhaité. 17 octobre 2018, Haïti t'a pris dans la direction. Haïti t'a réfléchi pour mener le pays dans la direction. Parce que nous comprenons ça, parce que nous nous faisons. Et c'est une fierté pour Haïti. C'est une fierté pour les Haïtiens. Et nous avons demandé au même tout, qui est dirigeant, qui est dans le secteur, qui est dans le monde politique haïtien. Fais pays ça, pas pays ça, on chance pour pays ça avancer. Pas pays ça, on chance. Ancien yo, grand-parents nous yo, papa patria, côté la préposé là, dans le monde côté la préposé là, qui te reposé en paix, pour dire oui, il n'y a pas de bataille pour grand messie, il n'y a pas d'assassiner pour grand messie. Coup de bâton de qu'on prend dans l'esclave, pendant le esclave, il va tout tomber pour grand messie. Parce que d'après yon historien, Bastonje qui est dit, soit Victor Schulcher, Bastonje, yon après yon de Dessalines, Dessalines font déclaration quand elle dit, je suis l'esclave le plus subordonné de l'île. Lui même il a accepté, il était esclave, qui était plus subordonné, qui va accepter n'importe bagaille. Ça veut dire, son esclave rebelle, tu comprends, pile bâton. Ok? Pour nous dire qu'on l'autre Haïti. Je dis à Zamim, ou même compatriote haïtien, on nous bail pays ça on chance. On nous bail une chance pour gagner notre pays. On nous commémore moi nous quatre droits haïtiens qui doivent vivre là. On nous commémore, on nous réfléchit sur la mort grand géant ça, géant garçon ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines qui était fait disons 20 septembre 1758 dans Grande Rivière du Nord et qui mourit le 17 octobre lâchement assassiné par frère encore. Là, je dis frère, encore, pour avoir battu ensemble avec elle, 17 octobre 1806. C'est mentalité, ça nous gagne nous-mêmes. Il y en a deux sur l'autre, mais nous avons battu ensemble. Parce que nous prenons conscience pour nous retirer mentalité, ça. Pour une suspendre deux sur l'autre, pour nous battre ensemble, pour nous gagner notre pays. Qu'elle soit idéologie ou, qu'elle soit point de vue ou, qu'elle soit opinion,
mais pour nous respecter l'opinion de l'autre. Pour nous tous, nous sommes haïtiens. Nous sommes frères, nous sommes même nation, nous avons même sang. Maintenant, nous sommes dans plusieurs zones. Dans plusieurs zones dans Afrique de l'Ouest. Là. Mais nous tous, nous sommes frères, nous sommes. Nous sommes frères africains, nous sommes. On nous met tête ensemble pour nous gagner notre pays. On dit merci. Nous souhaitons bien commémorer la mort de Jean-Jacques Dessalines. Merci encore. C'était un mes frères, pasteur Wiste Pictes. Opération Changement. Opération Changement, une émission analyse, débat, interview, commentaire pour aider à comprendre le problème pays d'Haïti. Opération Changement a fouillé zone à Kalalou pour chercher qu'on ait cause problème pays. Qu'on ça ensemble, nous joignons une solution durable pour le problème ça. Opération Changement, c'est engagement nous tous pour l'autre Haïti. Opération Changement, un segment télévisé préparé et présenté par Pasteur Wesley Périclès, politologue, expert en résolution de conflits, écrivain.